rating, 50 francs. Le community manager, 50 pour le loyer, 50 pour le loyer. Tu vois. Après, il s'est tourné que ça marche. Il dit, oh, les clients n'achètent pas, oh, ça ne marche pas, marché. Mais mon cher ami, quand tu as 100 000 et tu as pris 90 000 pour développer le produit, et les 100 francs ou les 10 000 qui restent, tu fais un peu de compte de 1000 francs. Tu payes tes vendeurs à 1000 francs, tu crées ta page, tu fais les sponsorisations de 550. Pour rester. Et tu épargnes encore 5 000. Tu épargnes 5 000 que, au cas où il y a un problème. Après 6 mois, quand tu te rends compte que ta maison est pleine de produits, tu sais, tu dis que, oh, vous voyez, l'entrepreneuriat, tu es jeune, machin, c'est toi qui es bon. Les produits sont bons, de qualité. Mais c'est toi qui utilises toi-même avec tes enfants. Ne communique pas. Et c'est bien. Alors qu'il y a d'autres personnes qui font quoi? Qui ont 100 000. Les personnes se disent, ok, avec les 100 000, si on va développer le produit avec 5 000. Donc on va produire 2 sacs comme ça. 2 sacs. On va mettre 50 000 dans le marketing. On va communiquer sur les 2 sacs jusqu'à ce que les gens vont appeler, on dit sans rupture de stock, appeler sans rupture de stock, appeler, mais ils voient les photos du sac chaque jour. Ils achètent le sac, on dit qu'il n'y a pas le sac. Mais c'est pas possible, on veut le sac, c'est pas vrai. Mais le sac est où? Mais c'est pas possible. On capture seulement comment ils disent que le sac est où? On veut le sac, on veut le sac. On récupère, on dit, vraiment actuellement, nous avons beaucoup de difficultés parce que nous sommes sollicités au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc. Et puis le sac est déjà épuisé, nous sommes en train de relancer la production. On continue la communication avec les gens. Vous dites que les sacs vont sortir, on ne va pas. La femme allait à l'école bientôt, les sacs sont où? Il n'y a pas les sacs, comment? Après, tu reviens donc dire, en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas. On ne vous a pas avoué quelque chose. Il n'y a pas l'argent. En fait, on essaie de se battre avec le peu de moyens qu'on avait. On s'est lancé avec 100 000 francs. On a produit des sacs. Vous avez vu les sacs? Les gens ont les sacs, les gens ont utilisé les sacs, ils sont de qualité qu'on peut le voir. Nous avons communiqué sur ces sacs. Aujourd'hui, nous avons des commandes qui viennent de partout, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Mali, des États-Unis. Sauf que le problème qu'on a, c'est la capacité de production. Nous n'avons que 40 000 qui restent dans nos caisses. Alors qu'en réalité, nous avons besoin de 11 millions afin de produire beaucoup plus de sacs. Nous avons besoin de vous pour vous offrir ces sacs de qualité que vous recherchez tant. Je sais que vous avez de l'argent dans votre compte bancaire qui ne vous sert à rien de toutes les façons. Parce que de toutes les manières, avec l'inflation qui diminue l'argent dans votre compte chaque jour, vous ne trouvez pas qu'il serait beaucoup plus intéressant de mettre de l'argent dans un projet qui va permettre de produire des sacs que les gens recherchent partout à travers le monde, qui va nous permettre de pouvoir gagner de l'argent et rentabiliser cet argent qui dort dans votre compte bancaire et qui est rongé par l'inflation? Aujourd'hui, c'est possible avec le projet Startup Color. Si vous mettez 50 000 francs dans ce projet, vous aurez la possibilité d'avoir un retour sur investissement du 50% les 12 prochains mois. Ou encore de pouvoir devenir actionnaire d'une entreprise qui vous versera des dividendes durant toute votre vie, y compris à vos enfants qui seront vos héritiers. Si c'est un projet qui vous intéresse, il y a un lien au-dessus de vous. T'es paré pour la soirée? T'as bossé toute la semaine?